Jean-Philippe Zini a passé une soirée créole hier soir, il vous raconte. Oui, hier soir. C'était formidable. Et tu m'as pas invité. Non, je regrette, parce que ma femme, ça y est, elle s'est mise au zouk. Elle a voulu, ouais, on a trouvé un prof de zouk très sympa, mais malheureusement, il n'accepte que les femmes. Ah. Et uniquement en cours particulier ouais. qu'il donne à l'hôtel Ibis de la porte de Champéré. Et puis de toute façon, elle a arrêté parce qu'au bout de 3 semaines, elle a commencé à avoir mal au dos. Et voilà, c'est pour ça qu'elle a arrêté le zouk. Alors hier soir, on a organisé une soirée zouk à la maison. Je suis allé au supermarché, j'ai acheté des trucs là au stand créole. J'ai dit à ma femme, je sais pas ce que c'est, mais à mon avis, ils ont mis de la drogue là-dedans. On va être complètement défoncé. Elle me dit, ah bon, pourquoi tu dis ça? Je dis, pas parce que le mec qui m'a vendu, il m'a dit ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles et danser les écureuils, tu vois. Fais-moi confiance, on va être complètement pété avec ça. On a mangé créole, on a bu du petit punch et ensuite on a dansé évidemment au rythme de la compagnie créole. On a dansé sur au bal masqué. Alors on a joué le jeu, hein, vraiment. On s'est déguisé, on était masqué et tout. Alors je sais pas si c'est le petit punch ou les masques qu'on avait sur la tête, quoi qu'il en soit, au bout d'un moment, je reconnaissais plus personne. Je me suis mis à danser un zouk love avec mon voisin. C'est quand on s'est embrassé que je me suis dit, c'est bizarre, d'habitude, ma femme, elle a moins de moustaches. J'étais complètement à l'ouest. Je vois dans le salon deux là qui étaient déguisés en gendarmes. Je leur dis, bah dis donc les mecs, vous êtes vachement bien déguisés, on dirait des vrais. Il me dit, on est des vrais gendarmes, c'est les voisins qui nous ont appelés, vous faites trop de bruit. Alors, on leur a offert un petit punch, et ben ils sont restés jusqu'au petit-déj, les gendarmes. C'est ça qui est bien avec la compagnie créole, c'est qu'on fait la fête jusqu'au matin, et ça, c'est bon pour le moral.